Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur Load Moving et donc du coup on est reparti pour la mission qui vaut le plus de sous. Donc celle-ci, alors on nous demande de 5,5 à 6,5 cm. Et du coup, bah voilà, pour le reste, bon, on s'en fiche un petit peu, mis à part la hauteur de l'herbe qui est entre 12 et 18. Donc on devrait pas trop bourrer normalement. Entre 5 et 6,5, donc on va mettre probablement 6. Probablement. Et du coup, ouais, ça devrait pas trop bourrer. Alors ça dépend peut-être des endroits où c'est le plus haut. Mais globalement, ça devrait le faire. Du coup, on est parti. Donc je vous tourne la vidéo juste après le live de vendredi. Parce que demain, comme vous le savez, donc quand vous aurez la vidéo, une nouvelle fois, je vous saoule avec ça. Il y a le Game Pass, donc du coup, je vais tâcher de le regarder. Alors, je dis ça, mais mes annonces de la pluie dimanche. Je le vois arriver gros comme une maison. Mon père va m'appeler demain et va me dire il faut venir parce que c'est la merde. Et du coup, bah, dans ce cas-là, je dis rarement non à mon padré. Donc du coup voilà. Donc on verra bien, mais alors ça m'arrangerait que non pour une fois. Parce que le Game Pass c'est une fois par an. Oh c'est rien. Alors en fin de compte. C'est pas tant que ça, c'est juste une compétition. Il n'y a rien de bien violent, mais j'aime ça. C'est comme ça. C'est comme ça, j'aime ça. Ok. Là il y a un bout. On est à combien? 3 sur 5. 4 sur 5. Et s'il y a quelque chose là autour. J'ai loupé encore. Putain. Manic. Là je l'ai fait. On marche dans les fleurs. J'aime ce. Les endroits ça va être chaud, mais c'est joli comme truc, j'aime bien. Petit parc comme ça là, je trouve ça assez sympa. Je vais refaire un tour complet. Il va m'en manquer un, je vais passer deux fois devant comme d'habitude, je vais pas être foutu de le voir. Infernal. Je suis aveugle, je suis sûr que je passe devant. À part si un autre carré que ça. Là. Ok, la petite balle. Bon, faut qu'on prenne l'allée. Alors ça, prendre l'allée, on va essayer de pas esquinter tout le boxon. Sympa comme propriété, j'aime ça. Ok, c'est parti mon kiki. Je ne sais plus comment on met en route. W, on accélère avec T. Réglage de coupe, c'est C et E. Donc on a mis à 6. Et on est parti, mon petit. On va essayer de pas trop écraser les cultures, j'allais dire, mais pas du tout. Pas des cultures, je sais pas trop écraser l'herbe, enfin les plantes. Et du coup, on est parti mon kiki, alors A et W et sous le merde. Et c'est parti. Alors il y a déjà une fleur là, faut déjà que je commence par faire ça. Ça va pas être facile ça, ici... Ça peut être facile, mais j'aime bien, justement. Après, les pénalités sont pas violentes, donc c'est toujours assez cool avec ça. Je voudrais bien qu'ils rajoutent une... Alors, pas obligatoirement, tu vois. Pas que ce soit obligé, c'est toi qui le décides, tu vois. Mais une difficulté du genre... Quand tu prends des prunes pour quelque chose, quoi. Pas des toutes petites machines ou... Ou finalement, bon, là, je vous avoue, j'écrase des fleurs, bah, je m'en fiche un petit peu, quoi. Ah, bah là, c'est la merde. J'ai failli. Serrez-vous, les fleurs, je pèse. Donc, ça serait cool qu'ils nous rajoutent une difficulté. Pour l'instant, j'ai pas eu de mise à jour, donc bon. Est-ce que c'est terminé? On aura plus de match? J'en sais rien, j'ai pas suivi. Ce que les développeurs annonçaient, donc aucune idée. Alors je pense qu'on n'a pas tardé de faire un tour, je pense, ou là. Ah, j'ai bugné. Là par contre j'ai entendu celle-là. Ok, on a fait un tour.
Ah, finalement, le terrain ne paraît pas si gros comme ça, mais en fin de compte. En fin de compte, il est grand quand même, le con. Il est grand quand même. Il est grand surtout du fait que quand tu fais le premier tour et le deuxième tour, allez, quand tu fais les trois premiers tours, on va dire, comme tu te tapes tout le tour, arrivé. Ah, on a failli là. Comme tu te tapes tout le tour, en fait, ça te paraît gros parce que tu fais tous les recoins, les machins, et encore, j'ai pas trop reculé. Mais là, le prochain passage, on va vers la table, on va finir le tour de la table. Du coup, ça va déjà rétrécir ça. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir vite fait de régresser. Alors là, j'ai fait de la merde. J'ai fait du caca. Ok. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va finir le tour de la table. Un petit passage et puis ça devrait être fait. On va choper le tournis, mon Dieu. Comme ça là, la prochaine fois, bon, on s'arrête là directement et ça va aller beaucoup plus vite. Et là c'est pareil, bon, on va avoir vite fait de cette fois-ci, on va avoir vite fait de régresser, alors beaucoup moins de durée de tonte à cet endroit-là. En tout cas, ouais, j'aime bien. C'est pas, tu vois, c'est pas carré comme on a eu la dernière fois. Du genre, il y a un parc où il faut que tu fasses attention à pas taper dans les trucs à fleurs, dans les auges, les machins, les ceci, les cela. Là, il y a quand même des collisions, certes, mais tu vois, c'est un truc où c'est plein de virages et tout. C'est tout biscornu de partout. C'est sympa aussi. Dom, il m'a dit qu'on allait retomber souvent sur les mêmes. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que ça se trouve, prochaine mission, ça va nous arriver sur la gueule, ça. Mais pour l'instant, j'ai pas eu deux fois la même. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Après, en termes de rang. Donc c'est quand tu augmentes de rang que tu débloque d'autres missions, je crois, ça doit être ça. En termes de rang, je trouve que ça monte quand même assez vite. Voilà, on ne fait pas un hectare par tonne, donc du coup, ça, alors disons que les barres d'XP montent petit à petit. C'est vrai que quand tu fais des grosses missions, et j'ai l'habitude d'attaquer les grosses missions direct, au début, tu as tendance à vite faire augmenter la barre. Et c'est par la suite où ça ira moins vite, quoi. Bah du coup, pour l'instant, je trouve que ça augmente assez rapidement. D'autant plus qu'on fait pas 15 000 trucs par épisode. C'est vrai qu'on a fait, on a fait un seul live. Et depuis, j'ai dû faire deux ou trois vidéos, je crois. C'est vrai que voilà, c'est pas comme si j'en faisais tous les jours ou 2 heures par jour. Et là, dans ce cas-là, oui, il y a de fortes chances que tu te dises merde, je suis tombé sur celle-là, ou alors, bah, du coup, comme tu as augmenté en rang, l'XP elle monte moins vite. Et du coup, là, mon live, on en refera probablement, mais je vais déjà finir un des jeux en cours avant, donc je pense que celui-ci remplacera Assassin's Creed quand on aura terminé Assassin's Creed. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. La dernière fois, on s'est laissé sur la fin de la mission principale. On a fait les missions secondaires, mais on n'a pas fini. Vous savez, l'histoire de libérer les gens, là, où je le finirai hors ligne, comme j'ai dit. Les coffres, j'ai dit que je les finirais. J'ai quasiment fini. Tout ce qui était faisable facilement, on va dire, j'ai fini. Il me reste des coffres qui sont sous terre. Vous savez, les trucs les plus chiants, faut chercher partout. Il me reste ça et il me reste à passer niveau 4 pour la résistance là.
Et du coup, on se retrouvera pour le retour en Angleterre. Donc là, ce sera la dernière mission principale qu'on a dans le DLC, le siège de Paris. Comme je l'ai dit, je trouve ça assez bizarre que il nous colle une quête principale pour un retour jusque chez nous. Donc je m'attends à un truc en rentrant. Ça se trouve, le siège de Paris n'est pas terminé. Hein, c'est possible. Et du coup, il nous restera les quêtes secondaires sur le jeu principal, et il nous restera les assassinats, et on aura fini. Donc voilà, je le dis, quand on aura terminé Assassin's Creed, on basculera sur celui-là en live et en vidéo. Et du coup, voilà. Voilà. Alors, on va essayer de finir cette quéquette là au milieu, là. La quéquette. Ok, ça c'est fait, on a pu redescendre ici. Et du coup, il nous reste cette petite quéquette là. Et le tour du. Les flowers là-bas. Et ce sera bon pour ce carré là. On aura mis une dizaine de minutes. Ah, une grosse dizaine de minutes. On va pouvoir faire comme ça directement. Et on va tâcher de détourer ce bordel. Après, il faut commencer à manœuvrer. Je peux pas tourner trop court parce que c'est là qu'on arrache la pelouse avec celui-là. En tout cas, voilà, pas de problème de bourrage ni rien du tout. Donc on peut y aller à fond tout le temps. Ce qui est plutôt cool quand même. Des missions de temps en temps où ça bourre pas. Hop, on va faire ça et ce. Donc j'ai dit combien c'est là? 580 balles? Donc c'est déjà pas mal. Et peut-être qu'on aura le temps d'attaquer une des petites, la 360 boulasse par exemple. Et puis voilà. Ce qui nous fera quasiment 700-800 boules. Peut-être un peu plus même. Pour aujourd'hui. Et du coup, je ne sais pas combien ça nous amènera en argent, je me rappelle plus d'ailleurs où on en est. Mais comme je dis souvent, je suis jamais pressé de terminer un jeu. Alors déjà, je ne sais déjà pas s'il est finissable. Commencer. Mais je suis jamais pressé de finir un jeu parce que j'aime bien prendre mon temps. C'est vrai que je pourrais le faire, d'ailleurs ça arrivera probablement sur un jeu à un moment ou un autre. Hein. Je pourrais, j'en sais rien, moi par exemple Resident Evil. Resident Evil, on l'a. Alors, on a mis un peu de temps quand même, mais j'ai fait deux lives coup sur coup, donc un soir et. Alors, c'était un samedi soir, j'en ai fait, et le dimanche après-midi, j'avais fait. Il me semble, oui, c'est ça. J'avais fait samedi soir et dimanche après-midi, c'est vrai que j'ai collé 2h30 samedi soir et j'ai collé. 3 grosses heures le dimanche après-midi, donc ça fait 5h30 au total. Donc on a quand même mis une claque au jeu en sachant que le jeu il y avait un scénario et il n'était pas illimité, le jeu. Mais voilà, ça va peut-être m'arriver sur certains jeux de me dire bah tiens, je suis hyper motivé pour le faire, le jeu est bien, machin et tout, il plaît ou moi ça me plaît tout simplement et ça m'empêcherait pas de lancer par exemple vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi, tu vois. Je donne un exemple comme ça. Mais quand tu commences à faire 2h, allez, admettons 2h30 vendredi, 2h30 samedi et encore 3h dimanche après-midi, tu vois, ça commence à faire des heures. Donc là, dans ce cas-là, ouais, tu commences à y mettre quelques heures. Ça aussi, c'est sympa de temps en temps, ça dépend quel jeu, ça dépend si ça me plaît ou non, enfin voilà. Mais en règle générale, j'aime bien prendre mon temps sur les jeux. Et du coup, du fait qu'il y a quand même pas mal de jeux maintenant sur la chaîne, je peux pas me permettre de faire plus d'une vidéo sur ce jeu-là par semaine. Mais au moins, ça vous permet de voir pas mal de jeux en même temps. Et si à un moment j'ai envie de bourrer celui-là parce que j'ai envie de faire de la tonte, par exemple, il y a un jeu sur une semaine qui va rip et puis je ferai deux vidéos sur ce jeu-là
ou même un live ou peu importe quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. C'est que je suis pas pressé. Ah, là on a bourré. Je suis pas pressé de terminer un jeu, mais si j'ai envie de le poncer un petit peu, je vais le poncer. Tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a, effectivement, ils se lancent sur un jeu. Et tant qu'il n'est pas terminé, il bourrine quoi. Je reprends Resident Evil comme exemple parce qu'il n'était pas si long que ça quoi. Quand tu voulais tryhard et avancer vraiment beaucoup, disons que le jeu j'en sais rien, moi, tout dépend du nombre d'heures de stream de la personne. Allez, admettons, on va dire que le jeu en un jour et demi il était terminé, tu vois. Si t'avançais bien, si tu t'amusais pas tout à faire pas à 100% mais quasiment. Et qui maîtrisait bien le truc. On va dire qu'en une journée et demie, il était terminé le jeu. Alors que moi, j'ai mis, je ne sais plus combien, plusieurs semaines à le finir du coup. Et voilà. Des fois, c'est bien de trahir tes grands morts, mais des fois aussi, c'est bien de prendre ton temps parce que voilà. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, chacun son truc. Chacun son truc, chacun son truc. Après, t'as les jeux qui sont infinissables, hein, comme Farming Arc, Atlas, Conan, etc. etc. Valheim aussi, qui sont jamais terminables. Enfin, ça dépend comme tu le décides, mais voilà, tu peux décider qu'il ne soit jamais terminable le jeu. Et du coup, dans ce cas-là, oui. Le jeu vient de sortir, par exemple Arc 2 va sortir, ou alors Arc à l'époque où il était sorti. T'as envie de tryhard 10 heures par jour dessus parce que le jeu te plaît et voilà. Et dans ce cas-là, oui, le jeu n'est jamais terminé. Et si tu y trouves ton compte et tes abos aussi, ben c'est le principal. Moi je dis ça en connaissance de cause parce que c'est vrai que Arc. À la grande époque de Arc où on y jouait énormément, disons que je rentrais du boulot. La première chose que je faisais, c'était j'allumais le PC, j'allais sur Arc. Voilà. Je jouais à Arc jusqu'à repartir au boulot. Et je rentrais le soir et je rejouais à Arc et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les seuls moments où je ne jouais pas à Arc, c'est quand je tournais mes vidéos. Alors pas au début parce que j'avais pas ma chaîne à ce moment-là au début, mais même après plus tard on y jouait vraiment beaucoup et voilà, le seul moment où je coupais le jeu chez moi c'était soit pour partir au boulot, voire soit pour faire ma vidéo, mais sinon on n'en dépendait pas quoi, voilà, c'était à l'époque de la découverte et plus tard ce fut l'époque où j'ai commencé le PVP dessus. Et du coup j'avais même lancé Juju dans le truc, enfin voilà, c'était n'importe quoi ce jeu-là quand même. C'était n'importe quoi en termes de. Bah, tous les gens qui aiment l'univers des dinos ou de la survie vont. Enfin, y trouver leur compte à ce moment-là. Plutôt, j'ai envie de dire, donc c'était mon cas. C'était l'un de mes premiers jeux de survie et j'adore les dinosaures, donc bon. Ah, j'ai trouvé mon compte et voilà, c'était génial au début, ce fameux arc qui était sorti c'était une limite, alors je vais pas dire limite mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront d'accord avec moi dont Papy qui sera le premier à dire oui, c'était une drogue hein. Il faisait que ça, quoi. Dès que tu pouvais. Et bon, vous savez pourquoi moi j'ai stoppé. Déjà parce que c'est quand même pas mal d'heures, et en plus de ça, le tech tier est tout plein de soins. Plus les gens en PVP qui jouent toujours les techniques de pute, qui sont assez agaçantes. Le PVE m'intéressait pas plus que ça parce que les serveurs laguaient, parce que t'as une structure qui fait chier, bah, tu peux être sûr que. Le mec va jamais vouloir la détruire, c'est exprès pour te faire chier, enfin c'est comme d'habitude la commu, hein. Et du coup t'en finis jamais, et puis voilà quoi. Non, finis jamais.
Donc, plusieurs raisons, mais c'est vrai que de base il était quand même bien cool ce jeu. Il y a eu Conan aussi qui était bien sympa. Il y a eu Atlas, mais Atlas a fait un flop et c'est dommage. Pareil, univers pirate, bateau, c'est tout ce que j'aime moi. Et malheureusement, il a fait un flop le jeu. Mais pourtant, il était cool. Mais c'est surtout le. Alors, moi je pense que ce qui l'a handicapé, c'est déjà les bugs qu'il y avait, qui ont eu bien du mal d'être corrigés, les optimisations serveurs qui étaient. Qui ont mis une shit tonne à se mettre en place, et encore je sais même pas si les serveurs sont optimisés aujourd'hui. Et c'est surtout le fait que si tu voulais prendre un truc privé, un serveur faisait un nœud. Donc un serveur faisait une map. Si tu voulais avoir la totalité des maps, en tout cas de base pour pouvoir même faire le truc en PvE, parce qu'il y a une histoire hein, derrière tout ça, il fallait 9 maps, donc 9 serveurs. Donc vous voyez le prix. Et je pense qu'il y a ça qui a fait un flop. Et s'ils avaient pu développer les serveurs pour, j'en sais rien moi, un serveur aurait pu prendre 3 maps différentes, par exemple. Donc à la place de faire de 1 en 1, tu fais déjà 3, 6, 9. Donc ça fait déjà plus que 3 serveurs à la place de 9. Je pense que ça aurait déjà changé la donne. Mais ils ont merdouillé là-dessus et pourtant c'est un jeu, qu'est-ce qu'il avait du potentiel, c'était terrible. Bon, enfin bref, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et bien d'autres qui arriveront plus tard aussi, parce que c'est vrai que le mode de la survie n'est pas fini. La mode plutôt. C'est quand même un truc qui est assez recherché. Et je me fais pas trop de soucis là-dessus, ça reviendra. Genre Ark 2, j'ai pas tout compris de ce qu'il voulait nous pondre, mais Chris m'en a parlé un peu. Pour l'instant, ça me plaît pas des masses. Mais ouais, on va pas dire jamais. On verra ce que ça donnera. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas. De mon côté, en tout cas, c'est pas le truc qui m'emballe, surtout qu'on parle déjà de tech tier au démarrage, enfin tech tier, un espèce de tech tier en quelque sorte au démarrage, voilà, c'est déjà le truc qui me refroidit tout de suite. Parce que, en fait, le truc que je suis pas d'accord avec le jeu en général, c'est lier les dinosaures avec des trucs enfin avec des trucs futuristes. Il y en a qui ont bien suivi le délire et qui ont bien kiffé le délire, pas moi. Enfin, je trouve que tu peux pas lier et la préhistoire et le futur. Je trouve ça dommage. Après, voilà, je suis peut-être un vieux con déjà, ça y est. Je suis sénile, je suis vieux, vain Dieu. Mais je trouve ça chiant de lier deux choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est vraiment dommage. Ok, on va faire un ou deux tours de nos petites fleurs qui sont ici. Enfin, au moins deuxième. Pour être tranquille. Il reste un bout là. Oui, il reste un bout là. Hop. Oh, on est à 97, ce coup-là, ça va pas tarder. Hein. Ça ne va pas tarder. Parce que quoi, ça finit tout avec des petites pointes de mort, là. Vol de mort. Ça finit tout en pointe. Alors, pour tourner avec ce machin sans plus pour se casser la gueule, c'est terrible. C'était horrible. Ah, bien sûr, je prends tout, mais pas ici. Ok. Et du coup, il nous reste le petit ziboui-boui qui est ici, qui nous amènera à 100% de la mission. Oula, les baisses de FPS. Oh, ça pique. Ok, on a 99,3.
3. On va y aller, t'inquiète pas, on va y aller au vésicule. Te fais pas de soucis, ma mère, on y va. Alors, comme ça, où est-ce qu'on va? On va là. 22 minutes 30, c'est pas mal. J'ai pas bourré, hein, j'ai été tranquillement comme d'habitude. Je suis allé, pardon, tranquillement comme d'habitude. Et puis voilà. Alors, je pense que je suis en train de ressouper des fleurs parce que je les entends. Écoute, hein, elles a qu'à se serrer de là, puis c'est tout. Hein. Ok, nice. Ben voilà, ça fait. Et voilà. Impeccable. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire, de toute façon, j'ai touché 2 sur une fois. Putain, on a 2,52, quoi. On a 2 de fleurs détruites. C'est faux. 5 ans de collision et puis 2 de dégâts au sol. Oh, les casse-couilles. Bref, on a 613. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, on est rang 2. Ah, c'est vrai qu'on est que rang 2. Alors, mon petit zinzin, je te ripo pour... Ok, nice. 360, 435, 495, 1300. Putain, celle-là, ce sera pour la prochaine fois, monsieur. Non, mais elle va piquer ses morts. Hein. Celle-là, elle va être longue. Hein. Celle-là, elle va être longue et j'aime ça. Ça me fait pas peur. Ok. On va faire celle-là. Tranquillement. Et c'est parti. Ouh, la 1300, là, il y en a pour... il y en a pour presque une heure, hein, je pense. Hein. Elle va piquer ses mots. Et j'aime ça. J'ai pas vu la mission, combien il fallait tomber. Donc 6 cm... cm, ok. Ah, puis il pleut, ça la merde. Ah, celle-là, par contre, on l'a déjà fait. Celle-là, on l'a déjà fait. Ok, donc on retombe sur la même cette fois-ci. Alors, il y a des fusées. À l'époque, il n'y avait pas de fusées, par contre. Je le vois, c'est ce machin-là. À l'époque, il n'y avait pas de fusées, mais celle-là, en effet, on l'a déjà fait. Ah, donc c'est notre première mission en double. En double. Dommage. Bon, ça nous fera un peu d'argent, mais... 5 à 6. Donc. Donc là, il y a des endroits où on va bourrer, logiquement. Il y a des endroits où on va bourrer. Alors... On tue pas les rosiers et la mémé là. Donc pas de se serrer aussi, ils nous font chier. Ah, là j'ai dû faire du petit bois là, je crois. Je pense. Oh, ça me fait rien, fait chier. Quelle idée, les fleurs ça ne sert à rien, mesdames. Si ça sert, c'est joli, mais bon. Ça saoule. Il y a une... Ah oui, il y avait une vache juste à côté. Ok. De toute façon, la prochaine fois, on aura 2 sur une nouvelle mission, puisque c'est la 1300, on ne l'a jamais fait. Donc on aura un peu de taf. Peut-être avec cette tondeuse-là, on verra. De toute façon, normalement, je devrais pas changer maintenant. J'ai pas prévu de changer tout de suite. On a 4000... 4000 et quelques. 4002, je crois. On va regarder à la fin de la mission. Alors attendez, parce que là, il va y avoir des problèmes là. J'aime bien l'herbe, hein, mais il y a des limites quand même. Enfin, là, c'était pas de l'herbe, c'est un buisson. Mais... J'aime bien les buissons, mais pas à ce point-là. Il est gentil, le buisson, il va rester à sa place. Après, pour l'instant, c'est notre premier doublon. C'était quoi? C'était la première ou la deuxième mission? Ça, je m'en rappelle plus. Je me tâte entre la toute première et la deuxième. Enfin, peu importe. C'est notre premier doublon. C'est vrai qu'on aura fait. Je me rappelle plus comment on en avait fait dans le live.
3, je crois. 3 ou 4. 4. On a fait au moins 2 épisodes depuis, ça fait 6. Donc ouais, c'est la deuxième fois qu'on fait celui-là en 6 chantiers. Donc ça va. Encore, pour l'instant, c'est encore correct. On verra bien si on retombe sur les mêmes prochainement. Et pour l'instant, c'est encore correct. Ce qui nous amènera à 360 boules de plus. Donc ça va être pas mal déjà. Ah, ça bourrine là. Ça bourrine là. Le temps que je lui fasse lever le pied, il se passe du temps. Putain, mais tu nous fais chier, ça t'arrive. Arrête de bourrer, Roger. Arrêtez de bourrer, Missou. Après, en l'occurrence, si je revends celui-là pour trouver plus gros, il y a peut-être moyen que j'ai assez d'argent. On va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. On va déjà finir ça déjà. Oh, les casse-couilles! Laissez-moi travailler, Missou. Ah, c'est pareil, c'est toujours dans les mêmes tâches, j'ai envie de dire, mais c'est toujours dans les tâches où c'est bien épais. Sinon, ça va tout seul. Là, ça va être le cas dans le feu là. Ah, même avant. Même avant, même avant. Ok. Mais c'est pas vrai, Maurice. Laissez-moi tomber, vin Dieu. J'ai pas le droit de tomber. C'est qui souffle, les pauvres machins. Il souffre, il souffre. C'est vrai que j'ai pas relu la hauteur maximum que c'était. Mais c'est haut là. Il y a des endroits où c'est haut. Il y a vraiment des endroits où c'est limite. Ah, j'étais limite là encore. Hein. Mais tu nous fais chier, avance. Terrible. Quel prochain coup on atteindra le buisson là déjà. Je me rappelle plus si le tracteur tondeuse classique il bourrait autant. Je ne me rappelle plus. Ah, ah, par contre, j'ai mis cher. J'ai mis cher. Ok, donc là, on va arriver au bout. Tâcher de tourner autour, de faire au moins 2 tours pour être tranquille, pour passer à côté. Je suis en train de choper le tournis, moi. Je suis en train de choper le tournis. Ils vont encore me dire, vous avez arraché la pelouse, bon ça je suis habitué, mais...
Donc faut bien que je passe, hein. Que je fasse. Ok, on a 66% de la mission. C'est déjà pas mal. Là, je pourrais pas tout prendre. Oh, je sais pas si je vais vous tourner celle de Snowrunner juste après parce que je sens que là je suis vraiment dans le mal, j'ai les yeux qui piquent à ce coup-là. Alors c'est le jeu qui veut ça? Peut-être, peut-être. Putain, mais il nous fait chier. Et puis il y a des touffes d'air partout encore, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, oh, j'aime pas ça. Hein. Oh, c'est terrible. Bon, alors attendez, on va essayer de faire un petit tour. Au moins. Je pense pas que ce soit le jeu qui m'endorme à moitié, mais c'est vrai que je me suis tapé une grosse journée. Hein. Une bonne grosse journée, je suis un peu dans les vapes du coup. Ouais, bien à cause de ça. Je pense. Mais ça recommence, et puis même là. Hein. Elle bourre, d'accord, mais tant que je suis pas dans le seuil critique, je pense qu'elle devrait quand même continuer de faucher, de tondre, plutôt. Je pense que là, j'ai encore tondu comme un cochon. C'est une petite mission, mais il y en a quand même une. Il y en a quand même. Voilà, arrachement de la pelouse, ouais, c'était sûr, j'ai tourné court. J'ai tourné court, Maurice. Il n'y a que quand tu fais comme ça en marche arrière qu'il le fait pas. Pourtant, je suis vraiment sur les roues, alors. Ok. Oh. Ah merde, j'ai fait de la merde. Oui, j'ai appuyé sur deux touches à la fois. My bad, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie? Ah, les flowers. Oh, ça me fait rien, je fais chier avec les fleurs. C'est chiant les fleurs. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est là? Attendez. C'est CR. J'ai branlé, non, c'est pas celui-là. Comment on descend du zinzin là? J'ai bu ou. C'est des issous ça, non? C'est pas des issous, mais comment on descend là-dedans, bordel de merde? Attendez, au lion. Ah, c'est ça. Change d'accélérer. Ah, tu veux pas me laisser sortir, c'est une dingue ça. Je vais toujours pas arrêter le bordel. On peut pas arrêter le moteur. C'est laid? Alors c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est bizarre ce truc-là. Tu peux terminer un contrat avant la fin en retournant ta remorque, tu gagneras quand même de l'argent. Non, non, mais bah les couilles, je voulais regarder un truc. Je crois qu'il y avait des sous. Je crois qu'il y avait de l'argent ou je sais pas ce qu'il y avait. Un problème de texture du coup. Je suis des sous, ben Dieu, j'y vais. Un tas de pièces dans le jardin, ben Dieu. C'est les cloches de Pâques.
Tu m'amènes des faux billets. Vas-y. Il pleut dans votre pays, hein. Missou. Alors, je pense que je peux retourner quand même. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Les notes graves. Ah, c'est pareil, à ce point ça va être que des recoins de mort là. Des petits recoins. Je suis à combien? 93,9. Ah, je suis quasiment au bout. C'est 95,5 qu'il faut, je crois. La bouteille qui est ici. On va pas tourner trop court pour pas être embêté. Ah, je suis pas à la fin de la mission. Ah, c'est 99,5 qu'il faut. Idiot. Je suis resté sur mon 95,5 quand même, hein. Je sais même pas si je vais atteindre ce que je voulais avec, hein. Avec ça, hein, je veux dire. 98,4, après il y a les sous les deux Porsche, donc ça peut passer. Sinon il y aura les recoins, les petites quéquettes un peu partout, hein. Ouais, dans le cul de lui, oui. Il manque 0,2, donc là. Et puis à côté. Et juste dans le menu, la démo, j'ai pas besoin de le faire, quoi. J'avais déjà tout bon. Eh ben, ça tombe bien, je me tire. Je me tire. Du coup, on n'aura pas trop mal travaillé aujourd'hui, deux missions. D'accord, Roger. Nickel. Bon, il va nous mettre des collisions, des écrasements de fleurs, des nappements de terrain. Ah, on a que 0,50. J'ai arraché un coup la pelouse et puis une fleur. Attendez, je suis beurré. Non, collision et à dégâts du sol. Okay. On a passé un niveau, là. Cool, ça. Rang 3. Ok, alors, notre outil. Je vais faire l'entretien déjà. C'est son mission de vent. Il faut faire l'entretien, c'est important. Boutique. On a déverrouillé quoi, nous? Ouais, mais c'est 31 000 balles. Ok, nous, on a l'autre. On a celui-là, nous. Hein. Le Knight OF S1, c'est ça qu'on a? Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça c'est déjà plus gros. C'est 3499. Mais doucement, doucement. Propulsion 9,8 km/h, 108 de plateau. Là c'était quoi? 98. Et là c'est 120. Mais putain, c'est 5000. Éjection latérale. km/h. Plateau, il fait 122. Je pense qu'on peut déjà l'avoir. Hein. Si on vend l'autre, on peut déjà l'avoir, à mon avis. Hein. Mais ce serait peut-être pas de refus, hein, parce que c'est vrai que prochain coup, on a du boulot. Hein. Vas-y, Abdoulila, on verra bien. Faut prendre des risques. Vendre. Ah, il va échanger. Ah oui, de toute façon, on peut pas prendre les autres. Donc.
Allez, bitch. Je suis à 1867. Ok, donc on aura ça la prochaine fois. Pourquoi pièce boutique? Plateau broyeur de 48. Eh ben quoi? Ah! Ah, on n'a pas ça, c'est pour le rajouter peut-être. Ok, statistique, bon, ça. On n'a rien dessus. Vente véhicule, changer, et c'est tout. Ok. Eh bien, on va se laisser là pour aujourd'hui, messieurs, dames. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, on a une nouvelle tondeuse. Et la prochaine fois, on tapera la mission à 1300 balles. Qui va pas être facile si on la retrouve, elle est là. Qui va pas être facile si. Qui va être longue surtout. Mais j'aime ça. Et on a. Rien. On a un plateau maintenant de 122 alors qu'avant on avait un plateau de 98, donc ça devrait aller un peu plus vite. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.